Allez, yo tout le monde, c'est Antoine, on est là pour une nouvelle vidéo sur Mortal Kombat comme promis. Alors donc c'est parti pour la crypte, vous vous rappelez sûrement que c'est comme ça quand je vais aller dessus. Donc c'est parti, je pense que bah, maintenant, je pense que vous en souvenez maintenant ce que c'est. Peut-être que si vous voyez cette image là du chargement. Donc en fait on va aller acheter des coffres, il y a pas des coffres, genre on peut dire des tombes, c'est comme ça que c'est là-dedans. Donc on espère avoir de bonnes choses, comme vous pouvez voir après. J'ai 21 000, 21 103. Donc c'est parti. Par contre j'ai un peu baissé le son parce que j'ai pas envie que voilà. Donc là c'était déjà fait, donc on va là-dedans. Donc là par contre là il y a des choses qui sont très chères. Moi je me dis d'abord en prêt. Si on a assez, d'abord on fait celles qui sont dans les 2000. Donc on va aller d'abord, voilà. Pas par là. Donc en fait, on a déjà fait tout ça. Donc en fait, on peut aller. Ah, on peut aussi aller en bas. On y aura peut-être plus tard. D'abord, on va voir ici. Ah, là, putain, je pourrais faire si je veux. Celui-là. Ah, je peux faire aussi si je veux. C'est pas mal. Hop là. Vous savez quoi, les gens? Au pire, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Re, les gens, c'est bon. J'ai voulu faire une fiche pour remarquer ce que j'ai encore comme à faire sur le crypt. Voilà, j'ai tout marqué. Si vous demandez pourquoi j'ai fait des dessins là, c'est en fait, comme vous pouvez pas dans là, il y a le passage du loup. J'ai fait un peu le dessin du passage du loup, où c'est écrit passage du loup, là où il y a les tombes là. Après ça, c'est pour le cimetière, là qui est devant, regarde, qui est juste devant là, quand on sort de là. Là où je suis en ce moment, c'est ici, le temple de LB. LB, c'est pour regarder. Ah ouais, vous voyez pas très bien. Bah, vous voyez où est le cimetière? Juste en dessous, c'est écrit Temple du Lotus Blanc. Dommage, je peux pas vous montrer très bien. Attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà, vous voyez un petit peu. Non, ouais, je vais zoomer au pire. Attendez, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà, vous avez vu? Temple de Lotus. Donc là, moi je suis là où vous voyez la flèche rouge. Jaune. Ouais, jaune. Vous avez un peu blanc, mais moi c'est plutôt jaune. Oh, ouais, déjà, je vais laisser zoomer pour que vous voyez un peu. Donc, ben, on va voir ce qu'on va faire en premier. Je pense qu'on va aller. Bah, après, le moins. Ce que j'ai de moins à faire, là, qui coûte moins cher, je crois, c'est dans les. Il y en a beaucoup de 2000. Par exemple, dans le passage du loup, le seul que j'ai dans le passage du loup, c'est 2200. Après, il y a chemin gelé, il y a le 2300. Ouais. Au pire, ce qu'on fait, les gens, c'est que on va aller dans le temps, on va aller dans le passage du loup. Ensuite, on va aller. Attendez, est-ce qu'on va. Il n'y a pas de choses. Ouais, on va aller au temple d'abord. Au temple. Au passage du loup. Ensuite, on va aller au chemin gelé. Ensuite, on va aller au cimetière. Vous vous demandez pourquoi le cimetière? Parce que après, vous voyez qu'il y en a des tas. Mais parce que regardez, celui-là, l'avant-dernier, 2400. Donc, ça, en fait, ça fait 2000. 200, 2300, 2400. Après, ce sera. Bah, après. Après, il y en a beaucoup cher. Mais après, on va retourner au chemin gelé. Pour le finir, le chemin gelé en plus. En plus, ça veut dire qu'en fait, là, pour cette vidéo, on va finir le passage de loup et le passage gelé. Et après, aussi, on va dans le chemin irrégulier. Pour le 2600, 2700. Après. Pour l'instant, on fait que ça. On va voir après. Donc, à tout de suite. Bah non, au pire, on va rester avec nous. Vous allez rester avec nous. Vous allez rester avec moi. Ouais, bon, allez, c'est parti, les gens. Alors, ça, je pose là. Donc, le premier, on avait dit, c'était le chemin gelé, je crois. Non? Non, c'était passage du loup. Donc, c'est parti, les gens. Et en plus, pendant que j'avais mis pause, les gens, je suis tombé sur un loup.
Mais il m'a mordu, je suis mort. Je suis pas mort, mais il m'a mordu, on voyait plein de sang. Donc aussi les gens, interdiction, si vous êtes sensible au sang, entre comme ça, je vous déconseille de regarder ça. Parce que souvent il y a des personnes qui sont très sensibles. Voilà les gens, c'est celui-là. Et donc, on va voir ce que c'est. C'est un... Oh, pas mal! Si les gens vous demandez ce que c'est ça, si vous me demandez ce que c'était, parce que c'est pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est en fait ça, c'est pour... comment dire? Ah, bah c'est pour quand en fait, pour ceux qui connaissent ça, ouais, c'est pour ceux qui font les combats chance, je crois, ça, si je me trompe pas. C'est en fait, vous choisissez des icônes pour faire le combat contre un ennemi, je crois, ou soit contre un bot. Un bot, c'est un ordinateur pour vous aider. Et donc,